fait a commencé en Guinée, dans les quartiers Lansanaya. Je viens de la famille qui sont pas artistes. Ma famille est cultivateur et forgeron. Mais tout a commencé, j'étais très petit, je ne sais pas quel âge, mais en tout cas j'étais très petit, j'ai commencé à comprendre certaines choses et j'aimais beaucoup jouer aux billes. Mon père, il avait interdit qu'il ne faut pas aller jouer parce que quand la pluie tombe, et le maladie se réveille. Donc il ne faut pas mettre les mains sur la terre pour jouer. Donc je savais ça, derrière cette parole, il y a une grande punition. Et dans mon petit personnage à l'intérieur de moi n'était pas d'accord. Donc l'autre, non, il ne faut pas aller, l'autre, il faut aller. Donc je finirai par aller jouer au bi. Pendant qu'on jouait, mes amis m'ont dit « Attention, c'est Dubaï, il y a ton père qui arrive derrière toi. » J'avais gagné beaucoup de billes, il y avait beaucoup de billes dans ma main. Donc j'ai avalé tous les billes. Et le lendemain, les enfants, d'autres enfants, ils ont allé raconter ça à leurs frères. « C'est toi qui as avalé les billes, on va t'opérer, tu vas mourir. » Donc cette mot « mourir » m'a un peu fait peur. Parce que moi, je ne veux pas mourir. Donc, l'objectif maintenant, c'est de sortir toute cette bille que j'ai avalée. Donc, j'ai fait plein de choses, boire beaucoup, aller aux toilettes et tout ça. J'ai tout fait pour sortir cette bille, je n'ai pas arrivé. Donc, à un moment, j'ai senti monter les billes. Tout était détaillé, tout était clair. À ce moment, la sensation était forte et jusqu'au niveau de là, le gorge, sur la langue, et jusqu'à je ramène les billes. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Et après, j'ai raconté ça à les enfants, ils m'ont pas cru et je leur ai fait la même chose et ça a marché. Ils ont allé dire à l'autre copain, il faut refaire encore comme les enfants. Non, je ne le fais pas. Non, 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 il faut faire. Ouais, ok. Non, si tu fais, je vais te donner ma pièce. J'étais très content parce que c'est rare qu'on me donne l'argent. J'étais enfant. Et j'ai avalé 5 de son billet et je l'ai tout remonté. Et là, le spectacle commence. C'est là que je suis devenu un petit artiste du quartier. Prenez-vous. Les gens, pendant les week-ends, il n'y a pas l'école, ils organisaient un petit thé et ils m'invitaient pour faire ça, pour mettre un peu l'ambiance, pour impressionner les autres villages qui viennent voir. Et là, c'est comme ça, continue. J'ai entendu maintenant, il faut trouver quelque chose d'autre qui, pour maquiller, il faut danser. Allez, fermez le cercle autour de... C'est la première fois. C'est Dubaï. C'est pour cela que je suis un peu perdu. Au milieu de je ne sais pas combien de chevals. Là, c'est ma première expérience avec les chevals. Et c'est plutôt pas mal. Ça fait rêver. Donc, si je arrive à augmenter encore plus d'énergie, ça peut être joli. Tu as le travail sur le djembé couché. Oui. Et ensuite, tu commences avec le poney
à travailler sur le djembé couché, tu sais, avec une main. D'accord. Ensuite, tu te redresses, oui. Et là, tu te dis, ah, moi, je vais faire danser les chevaux. Il y en a un qui peut très bien se mettre au petit galop, il y en a un qui peut très bien se mettre au passage, mais l'important, c'est, vous rentrez dans cette scène, c'est de la danse. Ah ! En voilà ! C'est la danse de fou. En fait, le mot, c'est la danse de fou. Donc, si je fais... vous pouvez faire dire « Eh, comme Denis, moi, j'ai... »« Eh, donc, « Eh, s'il y a une qui peut... quelques-unes qui peuvent répondre... Allez, attention, on répète. On commence par les... Hein. L'exercice qui est important parce que là, oui. Là, il commence à se passer quelque chose. Et moi, ce que je veux, c'est que quand vous êtes à cheval, c'est ça qui doit se passer. Vous comprenez ? On a pas les chevaux d'un côté et Souba de l'autre. Les deux cercles comme ça, ouais. c'est presque quelque chose de guerrier, quoi. D'accord. Tu vois, c'est comme si toi tu te battais avec des démons. Des démons, d'accord. Tu vois? D'accord. Il faut vraiment que l'on sente. D'accord. De ta part beaucoup d'énergie. Je sais qu'avec le cheval c'est compliqué parfois, mais il faut qu'il y ait la même énergie dans le cheval que chez Cédou, quoi. Et c'est pour ça que si vous êtes connecté l'un avec l'autre, ça va le faire. Ah là, c'est là. Thank you.
imagination était beaucoup élevée. C'est ça qui m'a donné l'avantage d'apprendre beaucoup de choses. J'ai dansé, j'ai tapé, la percussion, le djembé, la musique, j'ai fabriqué. Avant même de jouer, personne ne m'a appris comment monter le djembé. Je savais déjà monter le djembé parce que simplement je les vois les gens le faire. Donc j'imaginais que moi je le faisais aussi dans mon imagination. Donc tout l'instrument, tout mon matériel, c'est moi qui le fais. Et sans imagination, pour moi, je ne fais pas grand-chose en fait. Je le vois dans ma tête d'abord. Et même la répétition, je le répète dans ma tête. Dans ma tête d'abord. Palmiers de mon pays. Il y a trois sortes différentes du palmier. Tout vient de la Guinée et Sénégal. Et comment t'as fait pour les ramener? Je les ai découpés en deux. J'avais pas les choix pour que ça passe dans l'avion. J'avais coupé. J'ai trouvé une méthode pour que je les ratasse une fois arrivé là. Parce que sinon ça passait pas. Et pour trouver, on ne peut pas aller arracher directement. Il faut attendre que ça cesse et ça tombe. Et il faut trouver le pli lésé et le pli droit. Mais pour avoir les bâtons le pli droit, ça, c'est ça qui est très très difficile. Mais aujourd'hui, je pense que c'est mon devoir de faire sourire les gens. Le petit Seydouba, il était gentil, il souriait, il était très content quand il dansait. C'est tout son corps qui dansait, c'est pas son visage seulement qui dansait. Même les gens qui étaient là à me regarder, ils dansaient sans bouger en fait parce qu'ils étaient contents de me voir. Donc c'est cet petit que je suis à la recherche pour qu'il revienne encore. Donc pour moi, c'est beaucoup plus important de me mettre à ce service, de continuer à faire rêver les gens. Ah.
beaucoup, beaucoup d'entraînement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Mais toi, tu ne fais pas la maison. Hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup m'entraîné. Je ne mets pas de produits, rien du tout. Donc, tu, c'est des années de travail. Mais vous avez vraiment mangé le feu? J'ai vraiment, vraiment, vraiment mangé le feu. C'est vrai.